Qui est Cheikh Ousmane Diakité, nouveau président du COSIM et nouveau leader et guide suprême de la communauté musulmane, désigné dimanche 25 avril 2021 lors d'un conclave des hautes autorités islamiques ivoiriennes dans la commune de Trècheville. En vue de la désignation du nouveau président du COSIM, s'est réuni ce jour, dimanche 25 avril 2021, au siège de l'institution à la mosquée de l'avenue 8 Trècheville. Au terme du conclave, c'est l'imam Ousmane Diakité, précédemment secrétaire exécutif, qui a été désigné nouveau Cheikhul A'imma, président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, guide de la communauté musulmane nationale. Né le 1er janvier 1956, l'imam Ousmane Diakité est diplômé d'une maîtrise en droit public, option administration intérieure obtenue de 1979 à 1983 à l'université Mohamed V de Rabat au Maroc, à la faculté de droit et sciences politiques. Fonctionnaire, il a été secrétaire général de la mairie de Seydougou dans la région du Dinguélé nord-ivoirien. Polyglotte, il parle couramment l'arabe et le français. Il est également membre du Bureau national du Conseil national islamique CNI depuis 1994. De 2003 à ce jour, il est imam khatib de la mosquée du Mont Arafat de la Riviera Bonoumain à Cocody, Abidjan. Le nouveau président du COSIM a été désigné en 2007 secrétaire exécutif du Bureau national du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, en abrégé COSIM, avant d'être porté à la tête de l'organisation.